3. Tendu. Allez, on est parti pour une petite session à la pêche du carnassier en flotte tube. On va rechercher du brochet. Je rejoins Adri qui est déjà là-bas sur l'eau. Et on va essayer de prendre quelques poissons en espérant qu'ils soient un peu coopératifs. Plus qu'à l'ouverture, même si ça risque d'être compliqué. On part pour un coup de fin d'après-midi. Hop. Là c'est du 10 grammes. Il va falloir mettre au moins... Il faudrait du 20 grammes, mais je vais avoir que 30. Je vais essayer avec du 30 grammes, je verrai bien si ça passe. Hop. Voilà, 30 grammes. Petit montage maison bien pratique. Hop. Et voilà, c'est changé. T'as testé le Goliath. J'ai la poutre. J'ai ma poutre. J'ai ma poutre. Ah, c'est pas une poutre, mais c'est un gros. Ouais. Big bait. C'est un joli. Il est pas énorme, mais il est joli. Ouh. Yes. Je pensais vraiment qu'il était plus gros. Wouh. Ça, c'est bon, ça. Oh, il est pas très gros. Tranquille, 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 calme-toi, laisse-moi t'attraper correctement, voilà, pars pas, je vais te mesurer. Non, je pensais vraiment qu'il était beaucoup plus gros que ça. Il m'a mis des coups de tête et il me tape. Méchante. Voilà. Alors, combien fais-tu? Putain, pour mesurer, ça va être compliqué là. Hop. Il a retrouvé de la patate. Je pense qu'il fait une soixantaine de centimètres. Doucement. Allez, arrête. Arrête. Voilà. Un brochet de 60. Allez, repart. Ah bah, il m'a redonné confiance là. Je m'apprêtais presque à changer de leurre. Je me suis dit, il faut que j'insiste avec du gros leurre, faut que j'insiste et ça a payé. J'ai senti un truc. Aujourd'hui je récupère Adrien et on va partir pêcher le brochet en flotte tube. On est 3 jours après l'ouverture du carnassier. Objectif là, ça va être faire des grands plateaux avec un petit peu d'herbe au fond d'entre 1 et 4 mètres de profondeur. Donc on risque de matraquer au big bait et des bowlers de belle taille pour essayer de déclencher un beau poisson. Je pense qu'il y a quand même des gros poissons sur la zone et on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti.
reparti. Pas mal de vent. Poisson, poisson, hein, poisson, big bait, un pike. Ça a l'air solide, non? C'est pas vilain. Bon, après au big bait ça vient bien, hein, t'inquiète pas. Hein. Il va pas faire long feu. Hein. Ça vient tout seul au big bait. Oh, c'est pas vilain. En bordure, hein. Ouais, je sais pas s'il est à 60, mais il doit pas être loin. À peine arrivé, quoi. Il a mis une frappe. Une bonne grosse frappe. On bouge pas trop, toi. Tac. Allez. Lâche les cuisettes. Et voilà. Regarde. Ah, je pense qu'on le tire à 60. Hein. Oh, il doit être à 59,5. Pas gros 60. Hein. Allez. Pouf. Il est parti à pleine balle, lui. Il vous a foutu de l'eau partout. Bon voilà, je lançais en ras du bordure. Voilà, gros shad, enfin gros shad, un bon shad de 25 cm quoi. Ou 23, je sais plus comment il fait, je crois qu'il fait 23. Et boum. Bon bah du coup, deuxième poisson qui maille. Hein. Il est à 59,5 à peu près, donc arrondi au-dessus 60. À peu près comme l'autre hier. Putain, j'attaque fort là. Le problème c'est quand j'attaque comme ça, en général je fais plus rien de la session après. Ah bah, je suis content. Boum. Il m'a foutu. À ras du bord, il a tapé. À ras du bord. Direct, le leurre a atterri dans l'eau. J'ai fait un mètre. Boum. Grosse frappe. Au brochet. Il est venu sur mon leurre. J'ai levé le leurre au dernier moment. Il faisait 50. Ah, oh, l'enfoiré, il était au ras du bord. Hein. Je l'ai fait décoller avec mon leurre. Il suit, il suit. Il est là, là. Tu vois, dans cette direction. Essayez, il est posté là. Il est là sous ma canne, sous l'heure là, là. Il est là, avancez pas trop, il est là, là ouais, juste devant. Il est là, là. Là, Zexi, non, plutôt Jerk si quelqu'un. Il est là devant toi. Tu le vois, non? Oui, je le vois. Il est, attention, regarde. Sous l'heure maintenant. Ah oui. Tu le vois? Attendez que tu le fasses. Il suivait mon leurre de loin. Hop là, il est passé. Pas gros. Hein. Non, il fait à peine 50. Mais il est sorti du bord là. Il bougeait pas en fait. Je l'avais pas du tout vu. Et d'un coup, je l'ai vu décoller vers mon leurre. Et j'étais là, j'étais comme ça. Il a décollé là et j'étais en train de sortir le leurre.